Oui, GAF, c'est le regroupement ingénieur Grandos. A organisé un jury porte ouvert pour la première année. Il a débuté le même. Grandos a regardé le travail qu'il a fait là. Sable lavé, le gravier, la tasse. Ça, c'est le porte ouvert à Simone. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Gino Joassin, ingénieur civil de formation. Moi, c'est administrateur général du groupement des ingénieurs de la Grandes, c'est RIGA. Je suis là, nous réunis et dans le cadre d'un jour de porte ouverte qui nous fait, parce que je dis à c'est 13 août, c'est à la 14 août. Donc, on est 14 août 2021 pour les gens qui ont l'autre en tête de frapper et Grand Sud là. Moi-même, dans RIGA, qui c'est le groupement des ingénieurs de la Grandes, et qui sont en regroupement, qui sont des années qui ont fait un an. Et nous-mêmes, nous travaillons avec la construction. L'objectif nous-mêmes, c'est de veiller à ce que nous de construction, veiller à ce que nous sommes capables de vulgariser ou bien capables d'apprendre tout le monde ce qui est pour ensemble avec nos de construction dans le département. Depuis nous créons l'organisation, on va dire, et après l'implémentaire, 14 qui sont passés, nous entrer dans l'évaluation du bâtiment. Parce qu'après l'implémentaire qui est passé, nous connaissons un monde qui a vu le bâtiment pour dire que le bâtiment représente un danger pour lui, mais il ne connaît pas si le bâtiment représente un danger pour lui. Et pour dire qu'il y a un monde qui a vu le bâtiment, bâtiment pas représenter un danger pour lui, mais il ne veut pas entrer dans le bâtiment. Donc, c'est bon. Pour que nous allions évaluer le bâtiment ça pour nous, pour nous capables de dire dans quel état le bâtiment ça a eu. Ensuite, nous-mêmes, par rapport avec le plan d'action, nous devons entrer dans quatre sensibilisations sur le comportement que nous devons adopter face à tremblement de terre. Nous devons faire quatre communes. Nous devons aller dans la commune Bonbon, nous faisons commune Chambellan, nous faisons commune Pestel et puis nous faisons tout commune Courail. Dans la commune ça, nous allons parler avec nous sur le comportement qui est adopté face à l'implémenté. Je ne dis pas, nous dit là, si on joue une porte ouverte, dans 4 jours de porte ouverte, il y a là dans l'exposition, pour que nous exposer des livres, des brochures qui parlent sur sensibilisation, tremblementaire, sensibilisation et tsunami, qui parlent tout sur sensibilisation par rapport avec le cyclone. Je dis à. Et puis tout, nous faire une simulation. On met une réparation et on met une réparation dans le mode de réparation qui est guidé à la République. Ensuite, après j'ai activité ça, nous avons tout une conférence que nous avons fait. Conférence là et qui n'a fait sous, toujours sur le comportement que nous devons adopter par rapport avec les tremblements de terre. En fait, je parle en pile, moi j'ai ensemble avec moi sur la table et un collègue. Je m'appelle Céline pour que je présente lui et puis capable de dire plus par rapport avec les gars. Merci. Nous saluons tout le monde qui va regarder la vidéo. Nous saluons Anderson Divin également. Et nous sommes Sidney Barnard. Donc, je dis à travers l'activité, RIGA mettez dans souci pour sensibiliser les techniciens sur comment pour bien faire la construction qui est capable et capable d'assurer la vie les gens. C'est-à-dire, caillou a toujours tombé, mais nous-mêmes, il faut assurer nous que nous avons le temps pour évacuer. Nous avons salué mémoire tout confrère qui était victime, soit caillou écrasé, soit bête de perdu, qui était mort tout dans le tremblement de 14 août dernier. Donc, nous pensons que. Moi-même, c'est Apollon Salomon, ingénieur civil. Et là, nous, là, dans le cadre d'activité que RIGA a fait pour marquer l'anniversaire RIGA et tout marquer 14 août là qui va arriver. Nous connaissons 14 août, il y a un tremblement de terre qui est passé dans Gordas et dans Nip et dans le sud qui a fait un pile de dégâts. Et là, nous avons regardé, nous avons un mur que nous réalisons. Ça, c'est une méthode de réparation que MTPTC. Et venir avec lui tout de suite après le tremblement de terre. Mais nous avons un ensemble de matériaux que nous utilisons pour nous réaliser mieux ça. Les matériaux que nous utilisons, c'est des matériaux de bonne qualité. Parce que pour nous avoir un bon travail, il faut que nous servions avec des matériaux de bonne qualité.
Nous, premièrement, nous servir avec sable pour nous servir, c'est sable rivière lavé. Après ça, puisque comme nous ne servir avec gravier là, c'est mieux là seulement nous fait, nous pas couler. Mais si nous avons coulé mieux là, nous avons coulé espace ça, tout côté qui est en page, tout espace côté qui est bloc H ça, qui est ici ça, ça nous avons fait, nous avons coulé béton là-dedans. C'est béton qui va remplir tout espace ça. Nous avons gardé dans le mur ça, espace ça, c'est côté qui est supposé qu'il y ait un bout de bloc, mais nous n'avons pas utilisé bout de bloc dans le mur encore. Tout côté qui a un bout de bloc, nous faisons un page là-dedans et nous allons couler béton là-dedans. Mais puisque nous n'avons pas de temps couler béton aujourd'hui, nous avons ensemble gravier que nous utilisons, c'est gravier qu'on casse. Parce que le gravier qui a une forme lisse, qui est un gravier roulé, gravier ça, il n'est pas autorisé pour nous servir avec lui encore. Parce que il a une forme lisse et le lisse là, il n'est pas qu'un béton. Là où servir avec gravier qu'on casse, il fait un plus bon mariage avec béton. Et nous gardons dans le mur ça, c'est un mur A1. Le mur A1, c'est un mur qui est plein, qui n'a pas d'ouverture là-dedans. Il n'a pas de porte, il n'a pas de fenêtre. Et nous, ensemble de l'autre mur que nous avons réalisé, il y a B1, il y a B2, il y a plusieurs murs. Parce que dans le caillot, après le tremblement de terre, l'ingénieur a fait évaluation. Nous avons dans tout le caillot un ensemble de codes qui sont dans le caillot. Et avec TMTPTC, nous apprenons à réparer tout le code. Mais je dis, c'est un seul nous avons fait, c'est A1. A1 lui-même, c'est un mur plein qui n'a pas d'ouverture. Là-dedans, qui ça nous fait? Soudain nous finissons pour mettre le premier rangé bloc là, nous mettons une bande sismique sur lui. Une bande sismique, après ça, nous mettons un petit fer dans chaque extrémité. Ça. Parce que dans le cas là, si il y a un mur qui tombe, par exemple, si nous mettons A1 sur lui, c'est le mur seulement qui doit le réparer. Si il y a un poteau qui dans chaque extrémité, depuis le poteau n'a pas gagné, nous n'avons pas rien à faire dans le poteau. C'est pour ça que nous mettons petit ça. Parce que mis ça, il doit travailler pour contre lui. Parce que si mur qui en face ou bien l'autre mur qui n'a pas gagné rien pour nous, c'est ça qui endommagé pour nous réparer. Parce que les n'a préparé, nous devons faire mieux là, l'ivini plus bien que j'en ai déjà, mais seulement pour nous pas ajouter trois pour renforcement là dedans par rapport à ça que là déjà. Parce que si mieux là plus fort par rapport à ça que là déjà, si un tremblement de terre qui vient produire encore, la craser l'autre parce que l'autre plus faible passer, nous devons préparer mieux pour lui plus bien que j'en ai déjà. Et après le premier bande sismique là, ou après trois rangées, nous mettons 1, 2, 3, nous mettons l'autre bande sismique. Ainsi de suite, nous montons. Après chaque trois rangées, nous mettons une bande sismique. Après ça, nous coffrons pour nous couler. Ok? Merci. Pour nous réaliser ce travail, ça, moi-même, c'est Alexis Jean-Renal. C'est Alexis Jean-Renal, administrateur organisation TCH. Et donc, organisation ça. Nous représentons ici là juste pour nous réaliser le travail ça. Pour nous réaliser le travail ça, nous avons fait un dosage. Côté nous avons 3 bocs de sable et puis un boc de ciment. Après nous avons mélangé la sec, nous mettons un boc de l'eau et puis nous faisons matériaux. Et puis là nous avons organisé le matériau, nous commençons à poser le bloc. Côté nous installer et nous utiliser un demi comme poteau. En plus, dès que nous faisons ce bloc, nous mettons une bande sismique. Après ça, nous posons des blocs, ce sont des blocs posés en appage. En plus de ça, nous avons l'autre boss là qui va nous donner l'information de comment nous réaliser le travail. Bon, moi c'est Pierre Limoges, un boss maçon. Et moi, j'ai participé dans le travail là en tant que un boss. Mais le travail ça pour nous réaliser, c'est parce que pour nous faire le travail en appage, c'est pour nous mouiller les blocs là. Et puis là, nous mouiller les blocs là, et puis après ça, nous mettons. Nous pouvons poser donc ça, nous pouvons faire un premier bande sismique là. Sous deuxième et sous troisième rangée encore, nous faisons un deuxième bande sismique et puis pour nous réaliser le travail ça. Et ça qui fait nous réaliser le travail ça, c'est parce que nous devons faire plus de travail, mais moi-même, là, nous venons faire ça, nous ne sommes pas capables de faire parce que nous avons trop fait, nous ne sommes pas capables pour le moment. Mais pour nous réaliser le travail ça, c'est comme ça que nous devons réaliser pour nous faire le travail ça. Mais ça, nous devons préparer pour ça, nous devons prendre au moins 2-3 bouquets de sable. Et ça qui roulait, et ça qui casse, qui lavait. Et nous pour nous être capables de réaliser le travail, ça, nous avons servi avec un beau ciment. Et normalement, pour nous être capables de faire une composition, ça, normal pour nous réussir le travail. Ça. C'est ça que nous devons démarrer sur la forme de travail sur le jeune là. Et pour nous être capables de faire un travail, ça, et en forme, ça, là. Merci. Fort et prospère.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le coordonnateur du regroupement des ingénieurs de la Grand'Anse va ouvrir officiellement cette activité. En son nom, je me permets de vous remercier en vos grades et qualités parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des responsabilités importantes dans cette salle. Sous vos applaudissements, je vous demande d'accueillir le coordonnateur du regroupement des ingénieurs de la Grand'Anse. Merci. De ce grand mouvement qui vise à unir et à consolider la convivialité entre les ingénieurs de notre département et aussi à accompagner les Grand'Anceais et les Grand'Anceaises dans la reconstruction de notre cher département, souvent délaissé, méprisé par les autorités centrales. Béni soit ce jour où ce mouvement a vu le jour. Je souhaite que l'objectif premier du RIDA soit atteint, celui de rehausser l'éclat des ingénieurs au sein du département et que nos services seront offerts avec rigueur et profitables à la communauté et au développement du pays. Une fois de plus, je renouvelle mes chaleureuses salutations à tous nos invités ici présents. Encore une fois, merci d'être venu. Et à mes collègues ingénieurs, toutes mes félicitations pour cette grande initiative. Je voudrais rappeler que ce lancement officiel n'est pas le commencement d'une lutte. Une lutte pour qu'on reconnaisse nos valeurs au sein du département. Une lutte pour que nous participions pleinement et entièrement à la reconstruction de notre département. Une lutte pour qu'il y ait des changements, une lutte pour qu'il y ait égalité de chance pour tous les ingénieurs et toutes les firmes de construction. Parce que c'est dans le département ça, nous-mêmes ingénieurs, nous payons les taxes. C'est dans le même département ça, parents nous, et frères nous, soeurs nous, familles nous, amis nous, qui dépendent de l'école, c'est dans le même département ça, nous devons payer les taxes. Et qu'on y a, nous pensons que, et si que le département a un bagage que l'on offre, nous-mêmes qui petit département, il faut être capable de bénéficier. Enfin, une lutte sans jamais passer, nous passer outre. Je suis persuadé, si nous continuons à unir nos forces et nos compétences professionnelles, nous y parviendrons à coup sûr. Comme dit notre devise, ensemble, nous pifons. Que ce lancement ouvre donc un nouvel horizon, une nouvelle ère, pour nous qui avons consenti de grands sacrifices pour la
la réalisation de ce regroupement professionnel. En effet, nous savons pertinemment que le vivre ensemble au sein d'une association n'est pas une chose facile, car souvent il y a trop de divergences entre les membres. La mésentente, le discorde sont souvent au rendez-vous. Mais cela ne justifie en aucun cas que nous ne devons nous baisser les bras, que nous ne pouvons pas nous unir pour promouvoir notre objectif commun qui est rehausser l'éclat des ingénieurs dans le département. Pour cela, nous allons lutter, conjuguer nos efforts pour que notre flambeau reste toujours allumé. Je suis convaincu que ce regroupement sera à la hauteur de cette tâche. Travaillons-nous avec ardeur et détermination pour concrétiser ce rêve et combien cher il aura, très chers collègues. Le dynamisme ne nous manque pas. Il suffit de nous épauler l'un l'autre, tant que nous avons fait là des commissariats. Et il y a 9 à 3, nous pour les épaules, pour nous qualifier pour demi-finale. Évitez de faire passer vos égaux avant tout, mais favorisez le bien-être de la collectivité. Le sens du sérieux et l'honnêteté nous aideront à bâtir ce papier que nous vivons tous. Je vous rappelle que je n'ai pas de regroupement temporaire, ni à court terme. Ne laissez pas les petites ambitions, nos égos, les critiques très amères des autres nous démotiver, nous diviser. Je suis certain que ces genres de situations ne vont pas nous épargner. Elles seront présentes à chaque occasion, mais efforçons-nous de trouver toujours une nouvelle piste de solution. Car il y aura toujours une solution possible si nous conjuguons nos efforts. Vouloir, c'est pouvoir. Après le séisme du 14 août 2021, malgré beaucoup de difficultés, nous avions parcouru ensemble plusieurs communes du département pour apporter notre soutien à nos frères et sœurs victimes et affectées par cette catastrophe naturelle. Nous faisions des évaluations rapides des bâtiments endommagés. Nous pouvons citer Roseau, Beaumont, Pistel, Corail. Côté Corail, nous comparons à nos avocats, à nous trois, moi-même, qui est plus défendu. Par conséquent, aujourd'hui, c'est notre lancement officiel. C'est la fête. Réjouissons-nous, chers collègues. Et aussi, c'est une étape décisive pour notre regroupement. Fêtons ensemble. Enfin, tout cela, c'est une grande preuve de solidarité entre professionnels, grand-dans-lèse, que nous sommes capables de faire grandes choses quand nous conjuguons et unissons nos forces. Regard, c'est notre regroupement. Regard, c'est pour le département de la Grand-Anse. Regard, c'est nous. Regard, c'est vous, les étudiants en génie civil. Vive toujours la convivialité entre nous, chers collègues. Merci. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, cette manifestation, c'est le lancement officiel du regroupement des ingénieurs de la Grand-Anse. Pour enchaîner avec cette activité, on va continuer avec les propos du représentant du corps des métiers de la Grand-Anse, Ernst Toto. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît.
Merci. Bonsoir. Bonsoir. En fait, chaque ingénieur en silence. Moi, c'est Ernst Toto. Moi, son technicien pur et dur en construction bâtiment. Ah? Oui. Il s'est monté. Quoi? Ok. Moi, c'est Ernst Toto. Mon technicien pur et dur en construction bâtiment. Formation en sciences de l'éducation et actuellement, moi c'est professeur technologie construction bâtiment dans l'école technique dans Ville. Moi c'est coordonnateur association technicien en construction bâtiment d'Haïti que nous regroupons depuis avril 2014. L'objectif organisation, même gens que nous voilà ingénieurs ou regroupés, mais nous-mêmes qui fait partie le corps du métier, nous obligés de regrouper. Pas capable d'être ingénieur sans technicien. Et c'est une bagarre que vous voulez tout pour mettre dans la tête. Et puis on connaît que la science sans la technique est belle. Et la technique, c'est l'évidence de la science. Et si que telle ou telle formule en matière de génie civil a appliqué, pour l'appliquer, c'est un technicien qui a appliqué. Cela veut dire nous obliger d'avoir des professionnels formés, des professionnels qui sont capables de répondre à, eh bien, ouvrage que vous voulez effectuer. Et c'est raison ça qui fait que nous-mêmes, en TCH, nous regroupons des techniciens qui sortent de l'école, qui ont certification, et nous ne pouvons pas rejeter de nos professionnels, mais nous axons sur des étudiants qui sortent dans l'école professionnelle pour que vous regroupez afin que, eh bien, pour nous capables de défendre la valeur et bien profession que nous défendons. Et forme de l'encombrement, l'association, nous avons plusieurs professionnels qui font partie du métier. Pas simplement des professionnels en construction bâtiment. Nous gagnons des carreleurs, nous gagnons des professionnels en plomberie, nous gagnons en électricité, nous gagnons même des manœuvres, nous essayons au minimum de formation afin que puis on capable bien effectuer soit un bon béton, soit un bon mentir. Et depuis l'avril 2014, nous recevons, en dehors de l'école que membres ont sorti, il y aura plusieurs formations via par bureau technique, bâtiment, que TPTC certifié plusieurs membres de eux. Et donc, il y a plusieurs membres qui certifient. Et plus précisément, dernièrement, là, dans la semaine, toute semaine, qui a passé, nous recevons des formations tout en réparation, construction. Et que si nous avons un séance de simulation qui a fait sur la pointe, c'est des participants qui ont quitté pour formation dans formation ministère travaux publics de conseil avec INOPS TAP et Miyamoto Tabay et c'est Monzaro qui effectue ouvrage. Alors, ça de nous voulons relater, c'est pas simplement une formation qui objectif organisation. Ça que même je regrette que par des invités. A qui les invités la mairie, bah ouais, conseil de l'invité, bah ouais. Mais pour nous faire reconnaître que, comme métier construction, tout le temps, tout le monde toujours dit que, ah, nous pouvons promener dans ce pays,
et c'est faute une bagarre qui cause plus malheur qui tout dans un élément anthropique, c'est construction qui mal faite. Or ces constructions mal faites, qui est-ce qui mal fait? C'est des professionnels qui mal fait. Et donc clair sur question, hein, il faudrait que nous ayons des gens qui forment. Mais là, nous avons des gens qui forment, tout qui prend formation, l'État investit tout dans la formation. Là, que y a des ouvrages que nous fait, nous voulons, en tant que, et c'est ça que nous bataille, et c'est ça que nous voulons bataille tout, en tant que des professionnels qui qualifiés, il faudrait que, eh bien, travaux à l'eau, nous participions à tout. C'est vrai ouais, que tout travail a été fait dans les nations. C'est vrai ouais, que y a venu monde sur tout un côté. Nous, même ingénieurs, nous subissons ça. Mais plus précisément, techniciens ont subi beaucoup de maladies à l'eau. Et ils ont toujours demandé des professionnels qui qualifiés, qui, pour tard, effectuent des ouvrages. Le regarder, c'est des monde qui sont moins qualifiés, qui peut qualifier, que toujours. Bah, les possibilités pour que fait des ouvrages. Et donc, on a fait ces deux ouvrages qui ont fait à travers des parcours, ils ont fait tout classé. Bah, j'ai ciblé, mais si nous regardons là, dans la ville, on a fait ouvrages qui ont effectué, ils ont fait tout classé. Cela veut dire que qui ça? C'est soit c'est des méchancetés, ou du moins c'est des gens qui n'ont qualifié, qui responsables. Cela veut dire que, une deuxième objectif, donc, c'est intégrer effectivement le marché du travail. Intégrer-nous et imposer-nous en tant que des ressources de valeur qui existaient dans le département. Et l'autre point objectif que nous avons, c'est bataille pour le développement. Qui ça? C'est faire incitation, organisation qui est objectif pour faire l'incitation pour que jeunes nous viennent vers le métier, apprennent le métier. Parce que il est une fois, il est toujours fait qu'on est que, on est qui fait construction, qui fait maçon, c'est l'équipe qui saute, c'est l'équipe qui apprend l'école, comme baronné. Mais moi, que c'est pas le métier, mon monde qui n'a pas gagné capacité. Fait. Cela veut dire que nous voulons répondre que c'est un métier, quoi tout métier que construction bâtimentier. Quoi on a dit en avant, on a dit que pas qu'un ingénieur sans technicien. Que quelle que soit la conception que un ingénieur est capable de faire, si que il n'y a pas un technicien qui pour faire la mise en œuvre, qui pour exécuter, eh bien, c'est sûr que ça le fait arrêter un bagage qui est spirituel, il est un bagage qui est en mail, il est un bagage qui est sous computer, il est un bagage qui est sous papier. Mais la mise en œuvre, c'est technicien. C'est ça qui fait que de nos jours, nous avons fait une bataille pour que nous sortions pour valoriser eh bien, différents professionnels qui ont encore métier bâtiment et plus précisément pour apprendre le métier. Parce que le regarder, ça qui passe à Haïti, l'autre semaine, nous avons un monde qui vous pose, fait un post-bloc, il y a les CV Martinique, il y a les CV Blando, ou du moins quelque part aux Antilles, que nous allons chercher au monde qui vous fait, parce que nous avons campagne pour faire que tout va nous aller. Et ça fait que lorsque nous avons des ingénieurs, des techniciens qui veulent regrouper tête ensemble, pour que vous fassiez une force qui compacte, pour que vous existiez dans le pays, ça va être espoir. Ça va être espoir, ça veut dire que eh bien, nous sommes capables de valeurs qui ont toujours été dans le pays. Alors, ça que nous voulons dire que ATCBH, c'est une entité qui a travaillé dans le corps métier. Parce que quand j'ai dit civil, il y a plusieurs entités en dedans. Ça veut dire que nous sommes une entité. Même dans la médecine, il y a docteur, il y a infirmière, il y a auxiliaire, il y a mon laboratoire médical, tant d'autres. C'est comme ça que nous avons dit civil. Il y a plusieurs éléments. Et c'est une chaîne que lié. Sans une autre, pas capable
c'est lui. Ça veut dire que, pas comprendre que le fait que ingénieur, lycée, c'est ingénieur, et puis que technicien lui-même, il n'a pas de valeur. Sans technicien, ingénieur, il n'est pas capable d'exister. Et sans ingénieur, technicien, il n'a pas de valeur. Ça veut dire que son corps du métier, et nous-mêmes, nous campions à la TCH pour que nous combattions contre toute forme d'exclusion, toute forme, comme tu l'as dit, de stigmatisation qui a fait sous métier. Ça veut dire que, ah, ça son poste. C'est ça fait que nous inciter, même nous, former quelque chose. Former quelque chose dans le domaine que nous avons et former peut-être plus davantage, toujours. Et ça fait nous-mêmes nous décider pour que nous continuions le combat, ça que nous faisons, qui n'est pas facile, parce que la grande de ces robots est facile, mais nous faisons le combat ça et nous viser pour que nous avancions vers le département. Mais en attendant, nous ne pas faire plus gagner, nous construisons force dans le département dans Ville Jérémie afin que pour nous avancer. Merci. Merci, merci. Mesdames et messieurs, tout début a une fin, mais chaque fin est le début de nouveaux débats. Bonsoir tout le monde. Après-midi, nous comptons ensemble avec vous pour une petite causerie sur le regroupement des ingénieurs de la jeunesse RIGA, que parmi eux, c'est un de vos fondateurs RIGA. Moi, c'est Ketlos Biaoui, métier de génie civil, moi, une bonne formation en gestion stock. Et en formation d'encouragement léger, Chitrock. Là, nous avons commencé avec RIGA, regroupement des ingénieurs de la Grandes, qui est une association à but non lucratif, c'est après catastrophe 14 août 2021. Là, nous avons une catastrophe passée dans le grand sud pays, nous avons jugé bon pour nous voler au secours des gens qui sont victimes des bâtiments qui sont crasés et qui sont endommagés. Donc, premier saut, sinon, nous allons à Beaumont. Beaumont, c'est pour nous faire une évaluation rapide. Nous passons à Pestel, Corail, pour nous continuer à faire des évaluations sur le bâtiment qui est endommagé parce que nous avons pile de monde qui est en danger. Dans le bâtiment, nous avons continué à rentrer là-dedans malgré que nous avons un gros dommage, un gros mal à faire sur la tête que nous-mêmes, nous n'avons jamais remarqué. Donc, avec ça, je suis pas jamais où nous sommes contents qui accueillent dans notre travail. Ça, pour nous aider dans l'évaluation rapide, ça, nous avons jugé bon que faut nous regrouper nous-mêmes des jeunes professionnels en génie civil, architecture et d'autres dans le département de l'Indas. Donc, nous avons un ingénieur Kempes qui a pas ajouté pour nous de qui j'en regroupe et différentes activités que nous avons continué à faire pendant la fin de l'année 2021 jusqu'à 2022. Et bonsoir tout le monde. Et moi c'est ingénieur Kempes Benjamin. Et tout ça. Alors, et moi je fais partie de RIGA. Et dès le début de l'activité, suite à un tremblement de terre que nous connaissons, Grandes Sud et Nîmes des victimes le 14 août 2021. Et moi j'ai une formation en génie civil qui fait les conseils ingénieurs. Il y a une formation tout en smart building. De même que nous, de nos jours, avons parlé de smartphone, eh bien, il y a un concept, donc il y a des concepts qui a émergé dans le cadre smart building, smart city. Ok, c'est avenir dans les grands pays, c'est ça qui est la histoire. Donc, pour les gars, par rapport de nous, nous entamons des activités qui étaient très bénéfiques et pour la société Grandes. Et nous dit Grandes, ça veut dire que nous avons plusieurs communes dans le département. Et même si j'ai une autre chose, nous comme volontaires. Il faut dire aussi que RIGA, c'est un regroupement à une non lucratif. Ça veut dire que toute activité que nous avons fait, ce n'est pas des activités que nous recevons l'argent pour nous. C'est nous-mêmes qui combinons ça que nous gagnons. Eh bien, nous prenons autour, nous mettons dehors, nous allons aider. Suite à notre problème. J'en viens avec nos sorties tout à l'heure. N'allez pas dire au monde, il pas en mesure pour vous-même pour évaluer est-ce qu'il y a une priorité dans le bâtiment ça, est-ce qu'il n'y a pas de priorité là-dedans. Ça va se finir là.
et comme étant donné que nous avons ces coursiers, de temps en temps, nous jouons ces courses, gens que nous avons donné, par exemple, à Titigouya. Ça veut dire que de temps en temps, nous prenons ces courses, nous prenons les pliques. Et bien, les pliques, nous comptons poser des gars. Même si nous avons les hommes qui nous ont fait chier, ils ont un impact psychologique qui fait sur eux. Et bien, là, nous laissons arriver et nous-mêmes, nous discutons avec nous, est-ce que nous disons que c'est grave, ou est-ce que ce n'est pas grave, est-ce que c'est vérité, ou bien est-ce que ce n'est pas vérité. Ça, c'est très bénéfique pour nous. Et bien, nous continuons tout pour nous aider à travers l'école classique, dans la sensibilisation. Et nous faisons par exemple Pistel, nous allons sensibiliser les élèves Pistel, nous allons sensibiliser les élèves et Bonbon, nous allons sensibiliser les élèves Chambellan, okay? Nous sensibiliser autour dans les écoles de la ville là, pour être capable de connaître qui comportement qui a besoin de gagner pendant un tremblement de terre, après un tremblement de terre. Et tout comme toute sensibilisation de base et tout, avant une catastrophe naturelle, une prévention qui peut gagner, parce que nous connaissons que le tremblement de terre fait partie de catastrophes naturelles et qui sortit directement du phénomène naturel. Nous avons le cas des cyclones, nous avons le cas du tremblement de terre, des lacs, tsunamis et tant d'autres phénomènes naturels qui sont capables de provoquer des catastrophes naturelles. Et nous continuons. Et de temps à autre, nous avons émergé de nous dans le département, aider nous dans l'activité et nous ouvrons tout pour nous discuter avec toute entité qui veut discuter. Même si M. Toto Sotil, okay? Ingénieur avec Bosio, avec technicien, nous condamner pour nous travailler ensemble. Ça veut dire que ça, dès aujourd'hui, même si que moi apprendre gagner regroupement technicien, ça dans le département et il y a un pile de techniciens à retour qui doit apprendre que Rigali existe, et bien il y a un bout de voie pour travailler ensemble. Je laisse le soin pour que Close et nous continuer sur la présentation au cas que nous avons fait ensemble avec. Dans les activités que nous gagnons, nous gagnons aujourd'hui 13 août là, nous devons activer un jour n'importe où qui est fait dans la foyer culturelle Jérémie. Depuis 10h du matin jusqu'à 4h après-midi. Dans la journée porte ouverte, nous avons une exposition. Exposition matériaux que nous sommes capables de construire. C'est nous avons la dent de sable lavé, nous avons un gravier concassé, des ciments que nous sommes capables d'utiliser et de l'eau que nous sommes capables d'utiliser pour faire chantier. Parce que ce n'est pas n'importe l'eau et pas n'importe matériaux que nous utilisons pour faire chantier. Acier, nous avons une exposition pour jeudi. Nous avons tout dans la simulation que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons monté un panneau de mur. Panneau de mur, ça c'est pour une réparation, c'est A1. Côté que nous avons panneau, ça c'est sans couverture de lié. Nous avons tout fait aujourd'hui avec technicien, un groupe technicien dans le département de l'Est qui a monté panneau ça pour nous avec support RIGA qui regroupe un ingénieur de la l'Est, ingénieur qui a fait supervision sous panneau ça. Nous avons des documents, toutes les brochures, grâce à avec MTPTC qui débat nos documents et brochures sur différents catastrophes, comportements pour mon adopté. Nous avons une protection civile qui accompagne nous avec brochures et documents pour nous être capables de faire belle journée pour ouvrir ça depuis 10h du matin jusqu'à 4h après-midi. En plus, l'école dans la ville a participé ensemble avec nous. Toute l'école Sayo, nous avons plus de 5 à 6 qui participent jeudi à un journée porte ouverte ensemble avec nous comme activité. Et nous allons continuer à faire des activités, montrer pour nous qui comportement nous avons face à une catastrophe naturelle et tout montrer qui mode de réparation grâce à la formation que nous-mêmes nous prenons dans l'autre organisation ou bien MTPTC qui va nous formation nous-mêmes nous transmettre à l'autre monde pour nous éviter plus de dégâts. Si toutefois tu as gagné l'autre catastrophe et a toujours gagné surtout causé tremblement de terre, mais c'est nous-mêmes, Jean-Ingénieur Claude Petit, toujours dit, c'est parler pour nous parler. Nous-mêmes, dans la grandeur, la baille meilleure de nous-mêmes pour nous parler, pour nous moins vulnérables par rapport à la catastrophe naturelle. Merci.